Je veux pas un poumon, hey, donne-moi ton numéro. Je veux pas un poumon, hey, hey, hey. Je veux pas un poumon, hey, donne-moi ton numéro. Je veux pas un poumon, hey. J'ai été en bas de chez toi. J'ai mis mes mains de part et d'autre de ma mâchoire. Je fais vibrer ma lunette. C'est fou, c'est quoi ces paroles? Ça fait trembler vos fenêtres. Je veux pas un poumon, hey, donne-moi ton numéro, hey. Je veux pas un poumon, yeah, yeah, yeah. Je veux pas, hey, 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 hey. C'est pas un bouffon, c'est pas un bouffon, pas un bandit, merci La Rochelle. Alors bien sûr vous me direz, mais qui écoute ces chansons? Eh ben, nos amis... Moi j'ai un enfant qui écoute ça, franchement, il écoute beaucoup. D'ailleurs ce soir, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Papa, t'es où ?» Il a 9 ans, il est en terminale. Et je... Putain, la jalousie de La Rochelle, c'est pas ça. Et oh, c'est beau, au moment où je vous parle, je vois le mât d'un bateau qui passe, au loin comme ça. C'est joli, tu vois. Et le gars qui est dans son bateau, il est là, il se dit, c'est beau, au moment où moi je passe, je vois plein de têtes, des gens qui sont heureux. Et ils passent comme ça, c'est génial, quoi. Yvan, il a raté le bateau, mais bon, t'sais... Non, tu l'as eu? Sérieux? Yvan a eu le bateau, c'est génial! La Rochelle, avec des grosses stars, ils vont pas comprendre parce que vous allez arriver et dire Yvan, il y a des gars, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Il y a des grands chanteurs français, ils disent qu'est-ce qui se passe, ils sont en train de dire Yvan, qu'est-ce qui se passe. Mon fils m'a demandé ce que je faisais, pourquoi j'allais à La Rochelle. Et je disais que j'allais faire rigoler les gens. Il m'a dit, mais pourquoi toujours tu veux faire rigoler les gens? J'ai dit que c'était mon travail. Et il m'a dit, mais pourquoi les gens ils rigolent de ton travail? Merci beaucoup. En même temps, on peut pas vraiment engueuler les enfants ni les frapper. J'ai beaucoup réfléchi à ça il y a quelques jours. Tu vois. Non, je déconne, ça va. Alors là, c'est carrément n'importe quoi. N'importe quoi. Putain, je suis rentré à Toulouse en vélo. Non mais moi j'ai une copine qui m'a dit un truc incroyable. On sait pas comment éduquer nos enfants. Il faut arrêter de donner des leçons. J'ai une copine qui me dit l'autre jour carrément, Gad, il faut jamais frapper tes enfants quand t'es en colère. Putain, mais c'est quoi? Tu les frappes quand alors? C'est quoi le délire? T'attends qu'ils soient pélards en train de regarder un DVD, tu te dis, oh putain, là, regarde Bob l'éponge, il me sent. Ou alors non, t'attends d'être en vacances avec eux, tranquille au bord de la plage, au moment où ils s'y attendent le moins. Bah réfléchis. Hey, ça vous était arrivé quand vous étiez petit, que pendant que votre père il vous engueule, vous avez un fou rire? C'est pas fou. Tu sais, genre ton père il est là, il gueule comme un dingue et tout, et toi t'es mort de rire pour plein de raisons. Soit parce qu'il t'a raté au moment où il a volé le paquet de bois. Soit parce qu'au moment où il t'a couru après, il a glissé, il a fait un dérapage. Et c'est toute la figure du père qui s'écroule. Soit parce que aussi, quand il t'engueule, il est tellement énervé qu'il dit n'importe quoi. Ça arrive, c'est les papas, ils sont tellement en colère, ça veut plus rien dire les phrases qu'ils disent. Du genre, je m'en fous, je te dis que c'est comme ça que je ne... rien de tout, merde. Que ce soit ton frère ou toi, on arrête et on s'en va. Et on rentre dans votre chambre et à table. Ou alors, il invente des insultes en se servant de mots qui l'ont contrarié, du genre « Viens ici, monsieur, j'aime pas les haricots. » Le mec, il sort quand même « Monsieur, j'aime pas les haricots. » Comment il le prend au sérieux? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas s'énerver contre les enfants. Moi, il me pose un tas de questions tous les jours. Je sais pas comment lui répondre, sincèrement. Je sais pas comment faire. L'autre jour, je me baladais avec lui dans la rue. On a vu une jolie femme passer, j'ai fait le pivotage masculin classique. Et quoi? Tous les mecs en couple, ils font je sais pas de quoi ils parlent. À ce propos, les mecs...
mec, je voulais me dire juste que vos femmes le voient tout le temps, ça. Tout le temps. Vous retournez vers une fille, vos femmes le voient, elles ont un sens que nous, on n'a pas. Arrêtez! Arrêtez avec ces trucs de mauvais acteurs, genre... ah là là, où j'ai mis mes clés. Tiens, il faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un quand même qui a eu son permis. Permis pas lourd ou permis... tu sais comment je me balade dans La Rochelle aujourd'hui? En scooter électrique. Ouais, c'est sympa, non? Je m'en fous de l'environnement, mais c'est juste parce que c'est simple. Ah bon, putain, ils déconnent, nous à La Rochelle, on est carrément à fond, environnement. Putain, c'est n'importe quoi, ça se fait pas. Non, non, ça va, ça va.